parti. Nous construisons le monde qui nous le rendra bien, car nous sommes au monde et le monde est à nous. Incertain dans le temps que l'amour grandissait, incertain, eux seuls, au sommet du cœur. Comme dans un film de Godard, sous ce soleil qui se saignait immobile, unique. À force de me regarder survivre, tu as conclu à l'extrême gentillesse d'un troupeau de moutons, qui ne se fâche jamais et belle à tout venant. Tu t'es trompé, mon frère. Même un mouton pelé a droit à la colère. Je suis un homme du 20e siècle, finissant. Comptez mon âge jusqu'à 50, je suis une moitié de 100 ans. Il a dû en traverser des millénaires pour parvenir jusqu'ici. J'ai l'impression d'être ridicule parmi eux, complice, parmi eux, souteneur, parmi eux, égorgeur, les mains effroyablement rouges. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Je suis dans la rue, je suis assis sur un banc. Une femme passe, je me lève, je la suis. Vous me suivez? Je suis donc un homme qui suit cette femme. Et si je suis cette femme, je ne suis pas un homme. L'amie qui me fait découvrir René Char, elle me dit, on avait 17 ans, elle me dit, quand on aura 18 ans, on va aller voir René Char. Et c'est en 88, et elle pleure dans la voiture, parce qu'elle vient d'apprendre la mort de René Char, sans pouvoir s'arrêter. Ça me fait plaisir à chaque fois que je remets ces mots dans ma bouche, de le voir apparaître comme ça au coin de la rue. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est pas le Moyen-Âge. Hein. Là, j'ai vraiment trouvé, dans ce qui était écrit, ce que moi j'aurais voulu dire à cette fille. Les religieuses ont l'habitude à 19h de se mettre à chanter. Et quelques heures avant sa mort, les religieuses se mettent à chanter, ils les entendent, ils ouvrent un œil, puis ils me disent « Mais Charles, je crois que je suis arrivé au paradis. » Quand tu aimes, il faut partir, ne larmoie pas en souriant, ne te niche pas entre deux seins, respire, marche, pars, va-t'en.